Il y a des choses terribles qui se passent ici. Terrible. Ouais. Qu'est-ce que Dieu a fait, le Seigneur a fait pour toi? Sois bref. L'huile que papa nous avait donnée a agi en moi. Et cela a ôté la mort en moi. C'était la semaine qui a suivi le jour où, le vendredi où ils avaient donné l'huile. Mardi, là, pourquoi? Le mardi soir, j'avais beaucoup toussé. Et puis, dans la mouka qui était journée à mercredi, à 18h. Toutes ces journées-là, je suis resté au lit jusqu'à 18h. Mon enfant m'a appelé notre maître médecin traitant. Le médecin est venu, mais je ne l'ai pas vu. Mes yeux ne voyaient plus. Mais j'écoutais, j'entendais la voix de mon enfant parce qu'elle criait. Après, na benga ki Sœur Antonia jeudi. Après le jeudi, j'ai appelé la Sœur Antonia. Et elle m'a dit que je vais appeler papa et maman pour qu'ils puissent prier pour toi. Lorsque papa avait prié pour moi le vendredi, elle m'avait dit de boire l'huile. Mais j'avais peur. Parce que ça me faisait très mal dans mon corps. J'avais même peur de dormir dans ma chambre. Je me sentais comme si j'étais étouffé. J'avais demandé à papa que je puisse prendre encore de l'ivoire, encore lui. Papa m'a dit oui, continue, mais j'avais peur, mais je le fais quand même. Grâce à Dieu, je suis guéri. Voilà pourquoi je ne venais pas prier. Mais je reçus la force hier, voilà pourquoi je dis de venir aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Amen. Sikoyoka. Maintenant, écoute. Tango. Vous voyez comment l'onction est en train d'agir en elle. Acclamons le Seigneur. C'est... Le sœur avait acheté de l'huile. J'ai prié pour cette huile comme je le fais pour vous autres. Alléluia. Amen. Père, je suis ton serviteur. Nazali Mosalinayo. Je bénis toute bouteille d'huile qui se trouve ici. Au nom de Jésus-Christ. Tata. Père. Je sanctifie cette huile. Point de contact. Que cela soit un point de contact. Soit quiconque tient une bouteille d'huile, Zambé. Dieu, Dieu qui est assis dans son trône glorieux, tu m'as envoyé pour faire ton travail. Père, je te prie que cette huile devienne guérison et devienne la délivrance et devienne le point de contact afin de les enlever de la tristesse. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Ce que ça maladie. Si tu as la maladie dans ton corps. Ce qui est la maladie à Makila. Si c'est une maladie du sang. Lorsque tu vas prendre ce huile dans ta maison. Pendant toutes les soirs. Et prends une grande cuillère et bois. Je voudrais recevoir ton témoignage, que ce soit pour le diabète, que ce soit la maladie, les cancers, le sida, l'épilepsie, quels que soient les noms de la maladie, et celui qui n'a pas apporté sa bouteille d'huile aujourd'hui, apporte ta bouteille le dimanche, et cette bouteille serve de point de contact, va toi-même t'en procurer. Elle est allée avec Amélie. Elle a pris, elle a bu ça. Diarrhée moko. Elle a fait une forte diarrhée. Alléluia. Amen.
C'est pas moi qui avais acheté cette huile. C'est elle-même qui l'avait faite. Vous tous aussi, vous avez amené vos huiles. J'avais prié pour ça. Mais elle, elle a bu seulement un petit peu. Elle a fait une forte diarrhée. Jusque sur son lit. Elle est restée sur le lit de mardi jusqu'à mercredi soir. Elle était en train de faire la diarrhée sur son lit et ne le savait même pas. Lorsque sa jeune fille revenait de l'école, elle a vu ça. Elle appelait maman, maman, mais elle ne se réveillait pas. Elle a appelé l'ambulance. Le docteur est venu. Ils ont tout fait. Et ce n'est qu'après qu'elle a repris connaissance. Alléluia. Amen. Elle a eu peur. Les disciples étaient dans la barque, dans l'eau. Ils voulaient mourir. Jésus, viens nous secourir. Il criait au secours. Jésus, viens nous secourir. Jésus était à la montagne et il priait. 4 du matin. C'était vers 4h du matin. Directement, ils ont vu une personne venir sur l'eau. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Ils voyaient une personne venir sur les eaux en marchant sur les eaux. C'est eux qui ont demandé à ce fantôme. Mais directement, ils commençaient à dire c'est le fantôme. Ils ont peur de la tempête. Ils ont aussi peur du fantôme. Jésus leur a dit non, je ne suis pas un fantôme. Jésus ne vient pas pour nous donner ma bé malade et Jésus ne vient pas pour nous donner la maladie ou nous mener dans les difficultés, mais il vient plutôt pour nous ôter de la mort. L'Esprit de Dieu m'a dit de le faire. Que je prie pour de l'huile et qu'il puisse boire cela. La mort était dans son corps et partie. Alléluia. Amen. La personne était restée sur son lit et elle faisait une forte diarrhée de mardi jusqu'au mercredi soir. Elle ne savait même pas ce qui s'est passé. Maintenant, le Seigneur t'a guéri. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est lui qui est en toi. Ce n'est plus l'Esprit de mort. Mais l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que mon Seigneur puisse te bénir. Tu verras maintenant la joie de Dieu. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.